Tu as fait vite. Oui, on peut mettre le vélo dans le coffre et je t'emmène. Ton père est d'accord? On ne va pas lui dire. Mais il verra sur le compteur le nombre de kilomètres que tu as fait. Je lui dirai que je me suis perdue. Ok, ça marche. En route! Tu vois, finalement, la grève, ça a du bon. Ouais, tu parles. J'ai quand même dû pédaler quelques kilomètres. Et je te rappelle que tu devras rentrer par tes propres moyens ce soir. Oui, je vais réparer la roue sur le parking, ça va aller. Oh, regarde cette voiture, elle est trop classe. Regarde devant toi! Freine, mais freine! Ça va, tu n'as rien? Moi non, mais la voiture. Je crois que ton père n'est pas prêt de nous la prêter encore une fois. Je lui dirai que tu m'as forcé et que c'est toi qui conduisais. Quoi? Mais non, je plaisante. Bonjour, le sens de l'humour. Arrête, s'il te plaît, la grève, la crevaison, et ensuite on défonce la voiture de ton père. Tu crois pas que ça suffit pour aujourd'hui? Oh, quel rabat-joie, celui-là!